Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer ensemble des nuggets de poulet. Alors, pour la préparation de la recette, il nous faudra un verre de lait, une cuillère à soupe de maïzena, possible de remplacer par la farine, un blanc de poulet, j'ai ici le sel, poivre noir et du curry, et pour le pané, j'ai de chapelure, deux œufs et un petit peu de farine. Tout d'abord, je verse mon verre de lait dans une casserole, ainsi que ma cuillère à soupe de maïzena. Je mélange bien avec le fouet pour éviter d'avoir des grumeaux. C'est une sorte de béchamel. Après, je mets à feu ma casserole jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien épais. Voilà, mon mélange est devenu comme une sorte de crème. J'ajoute juste un petit peu de sel. Et je déplace dans un petit bol pour stopper la cuisson. Et je le mets de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre blanc de poulet. Je vais le couper en petits morceaux. Après, je vais le hacher. Je le mets dans une hachoire. Et voici mon poulet bien haché. Je vais assaisonner. Je mets un petit peu de sel, de poivre noir et un petit peu de curry. Je mélange bien. Voilà. Et maintenant, je vais le verser dans une poêle où j'ai mis une cuillère à soupe de l'huile. Après, je fais revenir mon poulet, une cuisson de 3 à 4 minutes maximum. Mon poulet est maintenant cuit. Je vais le déplacer dans un saladier. Voilà. J'ajoute la crème qu'on a préparée tout à l'heure. Je mélange bien le mélange. Voilà. Et après, je forme mes nuggets. Je vais déplacer le mélange dans un papier film. Je l'étale un peu. De cette manière. Puis je recouvre avec le papier film une deuxième fois. Le voilà. Je le laisse un petit peu refroidir avant de former mes nuggets. Le mélange maintenant a bien refroidi. Juste une petite remarque. Ici, ma préparation, elle est un petit peu liquide, donc ça ne tient pas vraiment. Du coup, je vais rajouter 2 cuillères de chapelure environ et je mélange bien. Si besoin, je rajoute un petit peu de farine. Sinon, je laisse. Je mélange le tout. Voilà, je suis arrivée à la texture souhaitée. Je prends une cuillère,
je forme une petite boule. Je vais la tremper dans la farine. Puis j'ai ici un emporte-pièce rond pour donner une forme ronde. Et je la sors de cette manière. Après, je la mets dans le mélange des œufs. Voilà. J'en mets de l'excédent. Et là, dans la chapelure. Et voilà, ma nougat est formée. Je la mets de côté. Il existe une autre façon, c'est plus facile, pour avoir de belles formes de nougat. C'est de former directement une boule, comme tout à l'heure. Tremper dans la farine. Je ne vais pas utiliser ici le moule, mais à la fin, dans les œufs. Ensuite, dans ma chapelure. Voilà. J'ai maintenant une belle boule. Je vais directement la mettre dans un emporte-pièce, par exemple fleurs. Et j'enlève. Et voilà, ma nougat s'est formée. Je fais la même chose avec les autres. Et après, on passe à la cuisson. Alors, dans ma poêle, j'ai mis de l'huile. Et maintenant, je vais mettre mes nougats. Voilà, on cuit pour chaque côté 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'on aura une belle dorure de notre nougat. Voici nos nougats. On va juste couper une partie, une pièce pour vous montrer comment elle est à l'intérieur. Et voilà, comme vous voyez, elle est vraiment fondue à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, les amis.